Chers Hello, tout amis du le Salon monde. du livre de Toronto, si Bienvenue à mon univers. Pierre-Raphaël Pelletier me laisse 2 secondes pour le présenter, je le laisserai ensuite avec Paul Savoie. Donc, aujourd'hui, dans le cycle des rencontres, lecture en temps de peste, Paul Savoie va rencontrer Pierre-Raphaël Pelletier pour son roman Les Dépossédés du Vieux Hall, qui est paru chez David. À vous, messieurs. Alors, bonjour Pierre-Raphaël Pelletier. Ben oui, ils m'ont permis de sortir de la prison. Un tout petit peu seulement, Ah par exemple. Alors voilà, moi j'aurais, c'est surtout toi qui vas parler, Pierre, mais on va centrer un peu sur ton dernier livre, mais j'aimerais, il y aurait tellement de questions à te poser parce que tu es vraiment un joueur clé dans l'histoire contemporaine de la littérature en Ontario français. J'aimerais un peu parler, avant de parler de ton livre, j'aimerais retourner en arrière. Moi, je te connais depuis, je sais pas, 40 ans peut-être. Puis à l'époque où je t'ai connu, tu travaillais beaucoup pour changer un petit peu la culture, les infrastructures. Alors, pourrais-tu nous ramener à cette époque-là, alors où tu allais auprès des gouvernements, tu interposais auprès des bailleurs de fonds, de tout le monde, finalement, pour essayer de changer la façon de voir la chose. Puis, une des choses en particulier que tu as faites, on sera toujours reconnaissant, tu as amené le prix Trillium en français. Avant ça, c'est seulement tout le monde ensemble. Puis tu as fait des interventions dans la ville, puis finalement, on a pu donner un prix spécial pour les francophones. Alors, c'était extraordinaire, ça. Alors, parle un peu de cette période-là de la vie, j'aimerais que tu en parles. Alors, c'est quoi ta question? Parle-nous, tu sais, de toute cette période de ta vie là, où tu passais beaucoup de temps, tu sais, tu avais une vision, là, puis tu t'acharnais à vouloir forcer les gens à revoir différemment la Ben moi, francophonie. dès les années 60, les gens ne savent pas ça, mais il y avait en Ontario le gouvernement d'époque, je pense que c'est Robarts, en tout cas, il y avait mis sur pied des collèges. Coopératives d'éducation comme Rochdale, Pestalozzi, Neil Weissick, etc. Et moi, j'avais organisé un symposium de sculpture. J'avais organisé aussi avec le PATRO à Ottawa, qui est un centre pour les jeunes, des ateliers de création, de créativité dans tous les domaines. Et c'était 300-400 enfants qui venaient nous voir à chaque jour. Et avec une équipe d'animateurs chevronnés. C'était dans le cadre de Perspective Jeunesse, quand Gérard Pelletier était là avec Trudeau puis Jean Marchand. Et j'ai vite compris que l'art était foncièrement politique. C'est-à-dire que pour être libre, pour créer, c'est un geste politique parce que c'est une façon de dire que notre santé mentale, psychique, physique dépend de notre façon de créer dans ce qu'on fait, dans notre milieu de travail, dans notre milieu de vie. D'ailleurs, de plus en plus, les hôpitaux à Montréal, entre autres, font des prescriptions muséales à des gens qui ont des difficultés de confinement ou qui sont déments ou qui souffrent de différentes maladies. Et ça aide énormément. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les hôpitaux continuent à être des lieux mortuaires avec des murs drabes. En tout cas, d'une chose à l'autre. Donc, je savais que si on voulait créer, il fallait changer les conditions de création, de créativité pour les artistes et pour les gens en général qui voulaient créer. Et d'ailleurs, tout le monde peut créer. Il y a toutes sortes de formes d'intelligence, il y a toutes sortes de formes de création possibles. Alors, moi, je me suis fait embarquer par Paulette Gagnon, qui travaillait à Théâtre Action à l'époque à Sudbury. Et non, pas le Théâtre Action, plutôt le Théâtre du Nouvel-Ontario. Et elle était présidente de l'Alliance culturelle qui regroupait les organisations artistiques de l'Ontario français, qui naissaient toutes ou qui étaient déjà là. Puis moi, j'avais été invité à titre de président de ProArts,
qui coordonnait avec Mme Maheu cette galerie éducative dans les écoles secondaires, dont De La Salle, qui est bien connue maintenant comme un centre de, où on peut se donner à des activités de création dans différents domaines. Et d'une chose à l'autre, à un moment donné, Paulette m'a dit, j'ai plus le temps à consacrer à ça parce que le Théâtre du Nouvel-Ontario, ils me payent pour eux autres, pour travailler pour eux autres, puis bon, ben prends-la à l'Alliance. J'ai dit, quoi? Finalement, j'ai été pris là-dedans, puis d'une chose à l'autre, ça a été comme un coup de pied dans le cul pour avancer, et ça tombait bien, ça tombait pile, parce que je cherchais un levier, un moyen d'intervenir sur ces conditions de création. Et je me suis embarqué dans la galère de l'Association des auteurs de l'Ontario en 92 avec Jacques Flamand et avec l'Association des auteurs et avec le Bureau de regroupement des arts visuels en Ontario, tellement que Robert Dixon, qui est maintenant décédé, pauvre Robert, grand poète, il disait de Pelletier quand il me présentait, Pelletier est président de tout. Ça disait tout. Alors, d'une chose à l'autre, il y avait Lucie Brunet. Alors, j'explique. À l'Association des auteurs, Jacques Flamand, c'est un être merveilleux, très, très intelligent, qui était dans les abstractions, dans le stellaire, dans l'astral. Il y avait des doctorats dans toutes sortes de choses. Mais il y avait le défaut de ses qualités, c'est-à-dire qu'il volait en l'air quelque part, mais il y avait bien de la misère à avoir une prise sur le réel pour l'organisation. Et de peine et misère, il avait ramassé 7000 piastres. Puis moi, j'ai pris la présidence quasiment comme un coup d'État. Je me suis présenté avec une équipe toute faite. Puis là, il y avait un Uluberlu qui rôdait autour de l'édition du Vermillon où Jacques Flamand se trouvait avec Monique Bertoli. Et là, je me suis fait accuser de fasciste parce que j'ai pris 7000 piastres qu'il avait ramassé lui de peine et misère en 4 ans, 5 ans. Et j'ai décidé d'aller voir Lucie Brunet qui était consultante. Puis j'ai dit, Lucie, j'ai 7000 piastres. Es-tu capable de m'avoir de l'argent pour faire fonctionner l'association? Elle dit oui. En l'espace d'un an, elle a réussi à obtenir 100 000 piastres de subvention. Alors là, on est en business. Puis moi, l'association, avant tout, c'est un lobby politique. Je le voyais comme ça. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes à l'association. Mais pour moi, au début, l'important, c'était de changer les conditions de travail des écrivains et des écrivaines en Ontario français. Alors, on avait eu, comme président de l'Alliance, j'avais rencontré Mme Swabrick, qui était ministre des Loisirs et de la Culture en Ontario sous Barbary. Et je lui avais dit comme ça lors d'une rencontre en Ottawa. D'ailleurs, c'est publié dans le chaînon, ça. Le chaînon, je ne sais pas si vous le voyez, là. Oui, on le voit bien. Bon, c'est Éric Charlebois qui a écrit un article là-dessus qui fait le point. En fait, Anne Swarbrick, pardon, je lui avais dit, écoutez, ça serait bien de créer un prix littéraire en Ontario français, en français, pour les écrivains et les écrivaines francophones. Là, on a un prix dit bilingue, mais en réalité, les jurys sont anglophones. La plupart du temps, ils ne peuvent même pas lire les livres qui sont soumis. Alors, elle est partie avec ça. Elle l'a soumis à Barbary, puis tout à coup, on a eu un appel de Barbary. Lucie Brunet me dit, on a un appel de Barbary. Il nous demande d'envoyer une lettre pour dire qu'il faut créer le prix. Alors, c'est comme ça que c'est parti. Maintenant, le Writers Union of Canada à Toronto était contre. Et il y a beaucoup de gens à Toronto qui disaient, des écrivains francophones, non, on est correct avec le bilinguisme, il n'y a pas de problème. Mais moi, comme je suis un emmerdeur royal, ben, j'ai fracassé tout ça. Puis on a foncé avec ça, puis on a créé le prix. Puis le premier prix, Barbary nous a reçus à Harbourfront, il nous avait logés dans un hôtel de luxe. Tous les finalistes étaient là. C'était merveilleux. Et Barbary me disait, « Where's my friend Peter? Pierre, viens ici en avant nous. » Alors moi, j'avais pris Anne
la ministre d'un bord, puis de Barber de l'autre. C'est comme ça que c'est parti. Puis je suis très content parce que ça a permis à tellement d'auteurs et d'auteureux, parce que j'ai bien la misère avec le mot autrice. Je trouve ça abrasif dans mon oreille. Et je continue à dire auteureux. Et ils ont profité de ça, puis ça ne suffisait pas pour moi. Il fallait continuer. D'ailleurs, je l'ai fait à travers le Canada avec la Fédération culturelle canadienne française. J'ai été 6 ans président. Et j'ai réussi avec Marc Hankins, Lise Leblanc, Denise Truax, Joanne Landry, beaucoup de gens compétents, très intelligents. On a pu devenir, Denise Truax avait fait un bon bout de chemin avec ça, mais on est devenu un interlocuteur très important à travers le Canada pour les arts en français, incluant tous les regroupements artistiques. Et on avait une table extraordinaire de gens qui voulaient changer des choses, même dans le domaine de l'animation communautaire et culturelle. Et ça a fait un mot du bon bout de chemin parce qu'on ne jasait plus juste avec des officiers des programmes. On jasait avec la directrice, Mme Thompson, du Conseil des arts, avec Jean-Louis Roux, le président. Les ministres, les sous-ministres, et je les ai mordus à plusieurs reprises. On m'appelait le comment on me disait ça, le pitbull culturel. Et d'ailleurs, la Conférence canadienne des arts m'a couronné d'un certificat d'honneur pour ce travail-là. Mais en réalité, c'est couronné le travail des gens comme Marc Hankins, Lise Leblanc et beaucoup d'autres, Denise Truax. Et voilà l'histoire de l'Association des auteurs, de l'Alliance et de toutes les conditions de travail des artistes. Et il faut continuer parce que dans le domaine des communautés, d'ailleurs, les communautés régionales, les communautés littéraires et artistiques du Québec dans les régions souffrent des mêmes choses. Je les ai rencontrés à plusieurs reprises et ces gens-là se plaignent parce que Montréal se prend pour le centre de la destinée francophone en Amérique et il oublie que les régions, il y a énormément de créations qui sont en région. On n'en parle pas sur le grand réseau de Radio-Canada et on n'en parle pas du tout alors qu'il y a beaucoup de choses et ces gens-là ont profité beaucoup du mouvement qu'on a fait dans le Canada français en Acadie. D'ailleurs, en Acadie, on n'a qu'à penser, je pense, à la ministre Chiasson, Jean Babineau, Marcia Babineau, l'Escaouette, les théâtres, Monsieur René Cormier qui est devenu sénateur et beaucoup d'autres qui étaient actifs justement dans le même sens. Moi, je me rappelle à l'époque, j'avais rencontré le vice-président de Radio-Canada à Montréal. Je lui avais dit « Qu'est-ce que vous attendez pour demander aux auteurs acadiens ou canadiens français d'écrire un téléroman? » « Oh, vous savez, monsieur, c'est très difficile d'écrire un téléroman. Ça prend des créateurs. Et on ne voit pas qui serait assez compétent au Canada ou en Acadie pour faire un téléroman. » Alors, telle était l'arrogance de ces gens de Radio-Canada. Et ça n'a pas changé. Et ça n'a pas changé du tout. Et peu importe. On continue. On leur a dit un jour, donnez-nous ce qu'on représente démographiquement à Radio-Canada, la partie du budget, le 3,2%, donnez-nous cet argent-là. Puis les antennes dont vous utilisez, là, on va les utiliser prime time, en temps réel, pour que, à grandeur du pays, les francophones aient de la création faite par les créateurs, femmes et hommes, de l'Ontario français, de les provinces françaises, de l'Acadie, de tout le monde. Et évidemment, ça représentait beaucoup d'argent. Mais ce qu'ils ne réalisent pas à Montréal, c'est que Radio-Canada, c'est payé par tous les contribuables canadiens, anglais et français. Et le réseau des satellites, des antennes, ce n'est pas la propriété de Montréal. Quand je les entends dire que c'est la propriété de Montréal, ben non. Et les régions du Québec aussi, ils ont la même problématique. Ils ont droit à avoir accès à ce réseau-là. Donc, c'est une plaie qui ne guérit pas parce qu'il y a un manque, il y a une condition fondamentale de diffusion des œuvres des artistes
qui ne se fait pas parce que Montréal accapare le réseau de diffusion. C'est un enjeu politique fondamental qui est encore là, entier. Et moi, j'aurais bien voulu le régler comme beaucoup d'autres, mais on n'a pas réussi parce qu'il y a un mur, c'est bloqué, mais tellement de gens en profiteraient. C'est incroyable. C'est formidable de t'écouter. Il me semble qu'il y a toute une histoire moderne de la Alors, culture en Ontario. C'est toute la faute de Paulette Gagnon. Oui, oui. C'est toujours la faute de Paulette Gagnon. J'aimerais qu'on parle un peu de toi. Toi, tu es un artiste quand même polyvalent. Tu fais toutes sortes de choses, artiste visuel, romancier, nouvelliste. Parle-moi un peu de tout ça. Comment tu es entré dans la création? À quel moment tu as commencé à créer des choses? Tu as toujours été artiste visuel ou c'est venu plus tard, ça? Quand j'étais à l'école primaire, je m'ennuyais beaucoup à l'école. Et je dessinais tout le temps sur mes cahiers. Puis j'étais un verbomoteur, alors j'étais dans le cabanon. Puis aussi, je m'étais rendu compte que j'aimais les couleurs parce qu'on m'avait donné des Prismacolor, vraiment les meilleures couleurs possibles. Mais quand tu es enfant, tu ne te rends pas compte que tu as des facilités. Je pense que tout le monde a les mêmes facilités. Bon, ben, c'est pas grave. Mais vers l'âge de 15 ans, j'ai décidé, j'ai décidé que j'allais peindre. Ça, le 15 ans. À 18 ans, j'ai décidé d'écrire. Et là, c'était parti. 15 ans, 18 ans. Puis je m'étais dit, un jour, j'aurai une œuvre. Alors, je chemine toujours, puis j'apprends toujours, parce que comme les gens qui me connaissent, je dis toujours, j'approfondis mon ignorance à chaque jour. Alors, c'est parti comme ça. Mais en même temps, moi, j'ai toujours fait, il y a un faisceau de création, il y a un faisceau politique, puis il y a un faisceau généraliste. Et ma formation philosophique m'a beaucoup aidé à avancer avec cette liberté de pensée critique qui a fait que j'ai eu ces visions de développement communautaire et culturel. Parce que je ne voyais pas comment... Il faut dire que plus on avance en âge, je sais maintenant, j'ai 74 ans, plus on a d'incertitudes. Et c'est une bonne chose. Parce que tu sais, Paul, comme créateur dans le domaine autant de la musique que de la poésie ou du reste, les compagnons de route dans le domaine de l'écriture, c'est le doute et la solitude. On le sait. C'est gratifiant de cheminer avec le doute et la solitude, mais à un moment donné, il faut que ça débouche sur le social. Je ne me voyais pas écrire pour les murs. Je ne voyais pas que je pouvais peindre pour moi-même. Je trouve qu'il y a un côté arrogant là-dedans. Dans le fond, on dit... D'ailleurs, c'est ce qui nous fait écrire. On dit, le monde ne peut pas se passer de ce que j'ai à dire, de ce que j'ai à écrire. C'est une forme d'arrogance, mais en même temps, c'est une forme de générosité, parce qu'on paye le prix. On le paye, le prix. On le paye financièrement, on le paye dans la solitude, le doute qui est terrible des fois, qui ne finit jamais. Beaucoup d'insomnie, souvent, beaucoup de tribulations. Il ne faut pas se cacher que ce n'est pas facile. Mais c'est tellement gratifiant quand quelqu'un nous dit qu'on ne connaît pas. J'ai lu ce que tu as écrit, puis j'aime ça. Moi, sur le viol, justement, il y a des gens que je ne connais pas du tout qui m'ont dit, t'as dit ce qu'il fallait dire, parce que Radio-Canada avait fait une émission sur le viol qui s'est fait déposséder de ses propriétés, puis ils n'ont jamais dit la réalité. Ils ont fait un combat entre le Québec puis le Canada, Trudeau, etc. Mais nous, les citoyens qui se sont fait voler, ils n'ont pas parlé de nous autres. Puis ils disent, vous avez parlé de nous autres. Puis moi, ça m'a fait tellement bien. Une fois, j'étais à la Nouvelle Scène, sur la rue King Edward à Ottawa, et je sortais, et il y a une jeune fille, 16-17 ans, je ne la connaissais pas, qui m'a... Elle s'en allait vers quelque chose, je ne sais pas où, puis elle me dit en passant, « J'ai tout lu ce que tu as écrit, puis j'aime ça parce que c'est ça que tu vis. » C'est vrai, c'est que ce que j'écris, c'est ma vie. Ce que je peins, c'est ma vie. Ce que je dis politiquement, c'est ma vie. Je suis un être entier et libre entièrement.
D'ailleurs, j'aimerais qu'on n'a pas vraiment assez de temps. C'est dommage qu'on n'a pas plus de temps, mais j'aimerais signaler aux gens que les tableaux de Pierre sont très, très beaux. Et on va essayer d'en mettre tantôt sur notre site. On ne pourra pas le faire maintenant, là, mais tantôt, alors, les gens pourront aller visiter notre site si on arrive à les mettre sur notre site. On a accès, tu nous as donné l'accès à travers la galerie là-bas. Et puis, mais j'aimerais parler de tes romans. Okay? Alors, moi, j'en ai lu beaucoup, je ne les ai pas tous lus, mais celui que j'ai le plus aimé, c'est La Voix de l'ombre. J'ai adoré ce livre-là. Je ne sais pas si tu t'en souviens, là, mais Lequel? La Voix de l'ombre, ou Oui, l'ombre. oui, 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 oui. j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce roman-là. Mais j'aimerais aussi que parle un peu de ça, mais parle un peu de ton dernier, là, parce que c'est un peu Oui. plus un essai qu'un roman. Alors, je vais vous dire rapidement, quand on parle du viol, le viol qu'on connaît, que je connaissais, dans lequel je suis né, sur la rue Langevin, la rue parallèle était Courcelles. C'était détruit en 1871 sur la rue Langevin où j'étais avec enfin, on était là. On a grandi là. Et le Vieux-Hall était une belle ville d'ouvriers, de travailleurs, de gens vaillants et fiers. On avait des monuments patrimoniaux extraordinaires, l'hôtel de ville, le palais de justice, etc. Et il avait toujours été question dans la région que le fédéral fasse un district fédéral et inclure le Vieux-Hall. Et heureusement qu'il y a un abbé, un oblat, Arthur Gartin, qui en 1914 et 15 et 11, 1910 et 11, 1914 et 15, les notables de Hull, la Chambre de commerce, voulaient qu'on s'intègre à Ottawa parce qu'Ottawa se développait plus rapidement. Ça a été bloqué par lui, heureusement. Et le Vieux-Hall qu'on connaît, c'est le Vieux-Hall qui a été construit après le grand feu de Hull de 1900, quand je pense que c'est deux tiers de la ville qui a brûlé, un tiers de la ville d'Ottawa qui a brûlé. Mais il faut comprendre que la ville de Hull, c'était une ville de bois. C'était au mois de mai quand ça a parti. Ça, c'est un feu d'une femme qui n'avait pas ramonné, en tout cas, le gars, il n'avait pas ramonné sa cheminée. Puis quand elle a fait la popote, ben, le feu a pogné. Puis comme tout était en bois, même les trottoirs, ben, tout a flambé. Il y avait des cours, des scieries, des cours à bois, tout ça. Alors, à partir de ce moment-là, on a reconstruit. Ça a fait un événement international. Même les Chinois nous ont envoyé de l'aide financièrement pour rebâtir le Vieux-Hall. Alors, en 58, Mackenzie King a dit non, il a créé la Commission de la capitale nationale qui a une présence omniprésente à Hull et dans la région de la Gatineau. Mais il a bloqué ça. Et il dit non. Et finalement, dans les années 60, encore une fois, les notables, la Chambre de commerce, les politiciens d'époque, Oswald Parent, qu'on appelait le parrain parce qu'il faisait des magouilles. C'était pas l'homme le plus vertueux de la planète. Avec Marcel Baudry, qui était son hatchetman, son bras droit ou son bras gauche. Dans les années 60, il y avait un silence des politiciens fédéralistes, la gang à Trudeau. Jean Marchand était le pilote de ça à la Commission de la capitale nationale, qui voulait, à toute fin utile, avoir la mainmise sur Hull. Alors, le fédéral, dans les années 65-66, a hypothéqué, acheté, pris contrôle de 18 acres de terrain au centre-ville de Hull. La population était vraiment pas au courant, vraiment pas au courant. Gilles Rochelot et compagnie, Gilles Rochelot d'époque qui était ministre par après, qui était maire, Oswald Parent, s'arrangeaient pour que la population ne le sache pas. C'est Monseigneur Charbonneau qui, en 68, 67-68, a décidé de faire une enquête participative pour réveiller la population, la conscientiser. Et là, il y a des soulèvements, mais c'était déjà trop tard parce que, en tout cas, pauvre Jean-Jacques Bertrand, qui était premier ministre de la province du Québec, sur le tard, il a réussi à accaparer un bout de terrain pour mettre l'édifice Joe Montferrand, qui est un des héros de l'époque des Shiners. Shiners, ça veut dire un œil au beurre noir. Mais il y avait des batailles incroyables entre les Anglais, les Irlandais, puis. Alors, Joe Montferrand, c'était lui qui venait défendre physiquement
les batailles avec les Anglais. Mais c'était grave parce qu'il y en a qui se jetaient en dehors des ponts puis dans les chaudières, etc. Alors, le viol, c'est ça. Alors, en 65-66, tout à coup, les bulldozers arrivent. Puis en l'espace de 69 à 74, ils ont tout déchiré, le tissu social, le tissu urbain. C'était un champ de bataille. On aurait dit qu'il y avait eu une guerre civile. C'était un carnage. Et il y a les monuments patrimoniaux qui brûlaient, une coïncidence, comme par hasard, au moment opportun, quand il fallait bâtir phase 1, phase 2, phase 3. Et là, on est dans la phase 4, la phase portage. Et tout ce qu'on a connu, comme le viol, en 75, la Chambre de commerce et Oswald Parent a annoncé Hull n'existe plus parce que là, Bourassa est arrivé puis ils ont fait la fusion Gatineau-Elmer-Hull. Alors, en 2000, quand il y a eu la grande fusion de toutes les municipalités autour, bien, Hull est disparu. Et ce que je trouve de dommage dans tout ça, c'est que ça a été fait sur le dos des ouvriers parce que du jour au lendemain, on a fermé Aidé. Bien, en fait, ils ont brûlé bien des choses d'Aidé, mais la boutique a fermé, en autre mot. La vie économique est tombée à plat. Et ces gens-là, étaient pas, il n'y avait pas de programme d'intégration de ces gens-là. Le fédéral ne les a pas aidés pour qu'ils se recyclent, pour qu'ils se réintègrent dans d'autres fonctions. Alors, il y a eu un paquet de fonctionnaires anglophones qui sont arrivés à Hull, dans les édifices, mais il n'y avait pas de Canadiens français. D'ailleurs, on retrouve à Hull maintenant beaucoup de gens qui sont venus d'ailleurs parce que les ouvriers de l'époque ne pouvaient pas intégrer les rôles de fonctionnaires qui étaient là, les emplois. Et ces gens-là, imaginez, ils se faisaient donner 7 000 $ pour leur maison. S'ils résistaient, ça pouvait brûler. On leur faisait toutes sortes de menaces de mort. Et c'était quand même 6 à 8 000 personnes, des familles entières, qui ont été mises à la rue sans filets sociaux. C'est un génocide culturel d'une petite ville, dans le fond. Ça s'est produit ailleurs dans d'autres régions au Québec. Hein. Et ça s'est produit en Acadie aussi. C'est toujours la même chose. Hein. Il y a des spéculateurs, les vautours qui sont autour, qui ont des délits d'initiés, qui savent qu'est-ce qui va arriver, qui possèdent des terrains, qui revendent ça à la province à prix de fou. Et on voit Cadillac Fairview, Lallerie, Campo, La Chapelle et beaucoup d'autres qui ont fait une fortune énorme à ce moment-là parce qu'à toute fin utile, ils prenaient possession de la ville. Et dans le viol, présentement, il y a encore des taudis qui sont dans les mains des entrepreneurs qui font beaucoup de pression pour bâtir des tours à condos de riches. Mais il y a une résistance farouche de la part des gens qui sont dans le commerce, dans l'entreprise, de faire de l'argent, de bâtir des édifices à loyer modique pour les familles, pour les jeunes familles. C'est ça qui va amener la vie au centre-ville de ce qui reste de Hull. En fait, il ne reste plus rien de Hull, mais les bâtiments. Ce qui reste à Hull, c'est une parcelle de terrain à Laval où on retrouve le café des 4 jeudis qui, à l'époque, était l'épicerie de La Flèche qui était le grand centre de dépanneurs de toute la région de Hull. Et voilà, c'est, ce qui reste de Hull, en fait, c'est morcelé parce qu'ils ont passé le boulevard des Alimentières là-dedans et pour rejoindre Elmer et Gatineau et Ottawa. Et d'une chose à l'autre, il reste des bouts du viol dans le coin d'Adé, etc., boulevard des Allumetières, mais à toute fin utile, c'est un monde qui a disparu. Et c'est dommage parce que, imaginez le viol, c'était une région incroyable parce que, et d'ailleurs, c'était sous la gouverne britannique parce que ils ont donné, c'est incroyable quand même, quand je pense à ça, le viol. Il y a ce gars-là qui arrive de Massachusetts, Wright, Philemon Wright, en 1802, qui se fait donner par le gouvernement britannique plus que 7000 acres de terrain. C'était tout des pins centenaires. Alors, d'une chose à l'autre, c'est embarqué dans la production de bois parce que la Grande-Bretagne avait besoin de bois pour les bateaux. D'une chose à l'autre, après ça, c'est Aidé qui arrive puis qui
commence à bâtir ses affaires, puis finalement, on se retrouve avec les pitons coupés, puis tout ce que, vous voudrez, puis la ville industrielle qui se crée. Mais ces gens-là ont profité de largesse du gouvernement britannique incroyable. Et la région de Hull, c'était la région la plus vite, c'est la région qui a été déboisée le plus rapidement au Québec. Ils ont rasé tout. Et il y avait des taudis, des ghettos. Il y avait 5-6 endroits où les gens vivaient dans des espèces de bidonvilles avec des toits de tôle, des bouts de carton, des familles qui n'avaient pas d'eau, qui n'avaient pas de système d'aqueduc, qui n'avaient rien, puis qui vivaient dans une pauvreté extrême. Dans les années 50, on ne parle pas du Moyen-Âge, là. Alors, vous savez, quand on connaît toute cette histoire qui est excessivement tragique, et d'ailleurs, moi, si j'avais à réécrire ce livre, premièrement, j'insisterais beaucoup sur le fondateur de la ville de Hull, qui n'est pas Philemon Wright. Philemon Wright, il y avait le canton en 1795 qui a été créé, le canton de Hull, qui a été nommé comme Masham et d'autres par l'arpenteur manquait d'imagination parce qu'il a pris des noms d'un comté d'Essex en Grande-Bretagne. Mais voilà que le vrai fondateur de la ville de Hull, qui est arrivé en 1852, le père Pierre-Louis-Étienne de Lille-Reboul, qui s'est installé à Ottawa. Le siège social des Oblats en 52-53 était à Ottawa, Monseigneur Gigg, et on lui a vite confié les missions de chantier, puis c'est lui vraiment qui a dégagé du canton de Hull, la ville de Hull, qui l'a incorporé avec l'aide d'un magouilleur qui était IBAD, qui a tenté de changer les choses à ses intérêts, mais le père l'a bloqué. C'est à partir de là que la ville de Hull a été fondée. C'est lui le fondateur de la ville de Hull. Ça, c'est une chose. L'autre chose, j'aurais une postface pour dire il faut faire l'éloge de Donalda Charron, qui est la première militante syndicaliste féministe à Hull, qui s'est érigée contre IBAD, qui exploitait les femmes, les enfants, pour faire ses allumettes, qui les exposait à la nécrose maxillaire à cause des vapeurs du soufre. Ces pauvres femmes-là étaient obligées de s'arracher l'os à la maison parce que les dents pourrissaient. Imaginez, les enfants et les édiles municipaux laissaient faire, faisaient comme si rien n'était. Mais cette femme-là, imaginez, elle a combattu, elle a fait une grève, la première grève. Évidemment, les syndicalistes mâles n'étaient pas d'accord avec elle. Et elle avait la pression des politiciens qui étaient contre elle, mais c'était une femme héroïque qui, à bout de bras, a changé les conditions de travail des ouvrières. Mais finalement, elle a été mise à la porte. Elle est repartie ailleurs, puis finalement, elle a travaillé. Entre-temps, elle a malheureusement eu un accident de train qui lui a coûté une jambe. Puis bon, mais elle a continué à être dans une usine de textile et elle a créé un autre syndicat. Pour défendre encore une fois les ouvrières. C'était toujours les femmes. Hein? Puis le boulevard des Allumettières, il n'y a pas vraiment un monument figuratif où on voit Donalda Charron, cette femme héroïque. Et le père Reboul devrait avoir aussi son monument parce que ces gens-là ont réussi à sauver, à limiter les dégâts et a amené beaucoup de bien pour les gens pauvres, les gens moins nantis. Et moi, je viens du petit peuple. Ma mère était d'un milieu très, très pauvre, Hugues Tremblay. D'ailleurs, elle avait fait ses études pour enseigner à l'école de l'Académie qui se trouve à l'entrée du pont Alexandra qu'on veut détruire. C'est un des derniers vestiges. Il y a des maniaques qui veulent encore détruire un des derniers vestiges de cette époque-là. Et c'est un collège classique maintenant de femmes, de filles. Moi, j'ai fait ma première année là, habillée en matelot. Les sœurs grises aimaient bien nous habiller en matelot. Moi, j'haïssais ça parce qu'on portait des jarretières, puis ça piquait, puis ça me dérangeait. En tout cas, tout ça pour te dire que c'est avec beaucoup de nostalgie et de colère quand je parle de la ville de Hull, le vieux Hull. Puis ma mère était très, très pauvre. Elle n'avait pas même
de bottes d'hiver quand elle était jeune fille. Il se faisait des guenilles, puis il marchait avec des guenilles autour des pieds dans la neige. Son père gagnait, il coupait au godan d'or sur la glace de la rivière du Saouet, des blocs de glace qu'il mettait dans. C'était ça les glacières à l'époque avec de la paille. Hein? Et il se faisait payer un demi-sou par bloc de glace avec des chevaux de traite, de labeur, des immenses chevaux qui charriaient les blocs de glace. Imaginez, un demi-sou. Alors, elle est venue dans un milieu très, très, très pauvre. Et ma mère m'a donné cette... ma mère a toujours fait beaucoup pour les pauvres parce qu'elle était elle-même de cette peuplade. Et j'ai appris très jeune que c'est important de se dévouer pour les gens moins nantis, les gens vulnérables, les gens pauvres. Et c'est de là que vient mon bagout, mon goût de mordre les politiciens qui sont lâches et qui ne font pas leur travail comme il faut. Pierre, c'est formidable d'écouter, mais ça, on apprend beaucoup, mais il va falloir qu'on se quitte. On se reprendra à un moment donné. C'est absolument essentiel. On a beaucoup à apprendre de toi et de ton livre, de ton œuvre, de tout ce que tu fais. Bravo. J'ai beaucoup d'admiration pour toi et je te remercie beaucoup d'avoir participé à notre activité. C'était vraiment bien, vraiment bien. Ben, je vous laisse avec ma petite pensée personnelle qui est un titre d'un recueil. La beauté exulte d'être si rebelle. C'est beau. Très beau, merci. Merci Pierre, Raphaël. D'ailleurs, on a beaucoup d'interventions. J'ai envoyé d'ailleurs sur YouTube. Il y a Jean Waters qui dit la bataille continue en 2021. Oui, il a raison. Et puis il y a Lise Leblanc qui écrit la culture est indissociable de la langue. C'est le credo de Pierre Pelletier. Voilà. C'est très réconfortant de vous écouter. Merci beaucoup, Pierre. Je peux vous dire une chose qui est importante. La jeune génération n'est pas dépourvue. Elle est pleine de talent, très créatrice. Et je compte beaucoup avec eux, elle, pour révolutionner les conditions actuelles, pour faire en sorte qu'on attaque la question des changements climatiques sur lesquels les gouvernements ne font rien. Okay, l'espoir est vivant et l'espoir nous fait vivre. Okay, au revoir, Pierre, à la prochaine. Hein? Merci, au revoir, Pierre, à la prochaine. Merci beaucoup. OK. Je retourne en prison. Ah oui, moi aussi. Bonne journée.